Le Japon en eau trouble, un étudiant en finance qui gagne 110 millions d'euros et une pièce d'or pour nos soldats du feu. Voici le nouveau sommaire de l'Hebdor, la revue de presse hebdomadaire du groupe Au Coffre. Un tour de l'actualité en 5 minutes chrono pour vous permettre de bien identifier les enjeux du moment en France et dans le monde afin de gérer au mieux votre portefeuille de métaux précieux. On le voit depuis quelques mois maintenant, l'inflation n'épargne aucun pays. Cette semaine, Courrier International nous apprend que pour la première fois en 50 ans, 5 producteurs thaïlandais de nouilles instantanées ont uni leurs forces pour demander au ministère du Commerce de leur permettre d'augmenter le prix de leurs produits à cause de l'inflation. C'est une nouvelle très symbolique car les nouilles instantanées, aliments de base, sont très populaires en Thaïlande au vu de leur prix modique qui n'a pas augmenté depuis maintenant 14 ans. Une donne qui pourrait donc bientôt changer. Les Échos nous expliquent que cette période d'inflation pourrait voir s'appliquer en France l'effet Pigou. On dit qu'il y a effet Pigou si l'inflation augmente le taux d'épargne. Et selon les Échos, des études montrent que la hausse de l'inflation actuelle dans le pays devrait inciter les consommateurs à épargner plus pour maintenir le pouvoir d'achat de leurs économies. Une inflation amenée à se prolonger, comme nous l'indique Nicolas Perrin, qui épluche le rapport In Gold We Trust pour le blog L'Or et l'Argent. Ce must-read, dans sa dernière édition 2022, nous explique que le loup de l'inflation est là pour rester et que la guerre en Ukraine en a été non pas le déclencheur, mais un accélérateur. Longtemps épargné par l'inflation, le Japon se trouve désormais lui aussi pris dans la spirale inflationniste qui touche les économies développées, peut-on lire dans la tribune. Pour le 4e mois consécutif, l'inflation nippone dépasse ainsi les 2%, une hausse des prix qui devrait encore progresser dans les prochains mois en raison de la hausse des prix de l'alimentation et du renchérissement des importations causée par la faiblesse du yen. Cependant, la banque japonaise n'a pas l'intention de resserrer sa politique monétaire ultra accommodante pour le moment, considérant que l'inflation actuelle dans le pays émane essentiellement de la flambée, transitoire selon elle, des prix énergétiques. Le pays du soleil levant avance en eau trouble, en témoigne cette nouvelle relayée par le journal 20 minutes, qui nous apprend que pour tenter de combler sa dette, qui ne cesse d'augmenter, le gouvernement nippon incite ses jeunes à boire plus d'alcool, alors que la consommation dans le pays est en constante baisse, tout comme les recettes qui vont avec pour les caisses de l'État. Attardons-nous un peu sur cette histoire folle qui fait actuellement le tour des médias anglo-saxons et français et que nous raconte le magazine Challenge. Il s'appelle Jake Freeman et il est étudiant à Los Angeles. Sa particularité, il a empoché en quelques semaines une plus-value de 110 millions de dollars. Au mois de juillet, Jake Freeman, ce jeune étudiant inconnu, passionné de finances, réussit à rassembler 25 millions de dollars, notamment grâce à des proches, dont son oncle. Il décide alors de racheter des actions de la société Bed Bath & Beyond, connue pour vendre des aspirateurs et des gadgets, via une structure, Freeman Capital Management, qu'il a fait préalablement enregistrer dans l'État du Wyoming. Le timing ne doit rien au hasard puisque l'obscur distributeur spécialisé vient d'annoncer des résultats calamiteux et le limogeage de son manager. L'action est au tapis, à 5,5 $, le bon niveau pour rafler des titres, alors Freeman met le paquet, soit la totalité des 25 millions de dollars. Il devient donc par là même l'un des principaux actionnaires de la société, avec 6% du capital. Malin, le jeune homme adresse ensuite au conseil d'administration un courrier constatant que l'entreprise joue sa survie et que ses finances doivent être restructurées au plus vite. Le fonds Freeman, comme tout bon activiste, fait ensuite des leçons de gestion de crise et de management aux administrateurs en proposant une nouvelle stratégie. L'opération, relayée sur les réseaux, rencontre un large écho, car le titre est suivi d'assez près par les spéculateurs fréquentant le réseau Reddit. Ils connaissent ces chiffres et ont pris des positions à la vente, accélérant la chute du titre. Mais l'arrivée des 25 millions de dollars de Freeman à l'achat et la communication menée autour de sa lettre au conseil d'administration ont stoppé la baisse et inversé la tendance. Les investisseurs en position de vente vont alors être contraints de racheter des titres pour réduire leur prise de risque et stopper l'hémorragie de leurs pertes potentielles. À Wall Street, ce type de situation s'appelle un short squeeze. L'effet, booster le rebond du titre préalablement massacré par les mêmes spéculateurs. Sauf que Freeman, lui, n'a jamais été à vente. Il va pouvoir empocher toute la plus-value. Bilan de l'opération, 110 millions de dollars de gains en quelques semaines et la réputation d'être, à peine 20 ans, le nouveau loup de Wall Street. Avec moi. Mais cet été, les vrais héros portaient des casques et des lances. En hommage aux pompiers qui ont lutté et qui luttent encore face aux multiples incendies qui ravagent nos forêts, Vera Valor, la maison de haute monnaie du groupe Au Coffre, sort une pièce en édition limitée, Soldats du Feu, en guise de soutien. Pour chaque pièce achetée, 10 € sont reversés à l'œuvre des pupilles des sapeurs-pompiers de France.
Le lien pour se procurer cette superbe pièce Soldat du Feu est en description de cette vidéo. L'offre est valable jusqu'au 30 septembre. Et puisque l'on aborde le sujet de l'or, nous conclurons avec la question posée par Capital qui se demande si l'or va devenir bientôt un placement incontournable. Au cœur de ce papier, l'idée que l'or pourrait bientôt profiter d'une possible inflexion dans la politique monétaire des banques centrales face aux pressions sur la croissance. Voilà, ce nouvel épisode de l'Hebdor est terminé en espérant qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Vous pouvez également retrouver tous les liens des articles évoqués dans la description de cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche en bas de la vidéo pour être prévenu de la suivante. Ce sera mardi prochain avec encore plus d'actu.